Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau vlog de gros. Et aujourd'hui, j'ai amené mes propres gros. Youssef, Keridine, Amine, Hanif, Kamel qui nous rejoint, que vous aviez déjà vu dans le kebab Euslem. Et mon frère Omar. Voilà. Donc une bien bonne équipe pour tester le restaurant Anatolia. Voilà, c'est une cafétéria, grill et tout. C'est juste à côté de Clermont-Ferrand, à Cournon d'Auvergne. On se retrouve tout à l'heure. Bon appétit à tous. Faut que vous sachiez du coup que ce restaurant-là, il accueille ses clients avec des petites assiettes. Il y a une part, je pense que c'est de la sauce blanche, un peu, un truc comme ça. Et l'autre, c'est une espèce de salade. Voilà, ça, la deuxième, la salade. Voilà, comme vous pouvez voir, à la quantité qui reste, c'était très très bon. C'est une salade très très fraîche comme ça, avec des tomates, je dirais qu'il y a des oignons. Je pense qu'il y a un petit peu, ouais, ça ressemble un petit peu à la chekchouka, exactement, ouais. Ça ressemble un peu à ça, ou ça ressemble un petit peu au za'louk pour les Marocains, le caviar d'aubergine. Très très bon, et franchement magnifique. Vraiment, ils accueillent bien leurs clients, et voilà, ça commence très bien, avec du pain maison, bien sûr. Laisse tomber, ça a bien marché, du pain et des petites sauces. Macron démission. Ah, quoique, ils ont laissé un morceau de pain. Bon, pour le moment, on attend la bouffe, hein, ça devrait pas tarder. Et là, on est bien, on parle des gilets jaunes, tout ça. Donc, je crois que c'est le moment de... Du porno. Je crois que c'est le moment de nous servir. Ça vient d'arriver. Bah, du coup, moi j'avais pris une assiette kebab, hein, j'attaque. Mais encore une fois, ils m'ont mis des frites, tu vois. Je suis obligé de les enlever à chaque fois, ça me gêne, tu vois. Ah là là, on y voit mieux. Franchement, la viande est bonne, tranquille. Mister Omar, ce mix de grillade, qu'est-ce que ça donne? C'est exceptionnel. Exceptionnel, d'accord, ok. La viande est bien cuite et tout, nickel. C'est quoi, c'est genre du bœuf, du poulet, je pense. Veau, bœuf, agneau. Veau, bœuf, agneau. Et... La totale. Ah ouais, d'accord. La totale. On a le l'ahmad jaune, hein, on essaye de prononcer correctement. Ça se dit comme ça? L'ahmad jaune. Non, l'ahmad jaune. Rien à voir. Donc l'ahmad voilà. Jaune. L'ahmad jaune. Donc monsieur Youssef, comment ça passe le l'ahmad jaune? Ça passe. Ça va bien. Ça passe crème. Ça passe crème. Ouais. Ok. Crème. Keridine, donc c'était des petites côtelettes d'agneau. Elles ont l'air franchement bien grillées, bien bonnes aussi. Avec la petite fulfla juste à côté, la petite, le petit piment un petit peu, voilà quoi, petit piment vert, voilà, grillé. C'est ça. Amine, toi c'était du coup des brochettes d'agneau. Ça va, elles étaient bonnes? Tranquille, bah t'as commencé par les brochettes, tu finis par par le reste, tranquille, ok. Calme, ça assiette kebab. Succulent. Bon, et bien. Bah, c'est le plus important. Moi ça va, franchement, ça passe bien. Monsieur Hanif. Oula, Hanif lui, tu vois, il a pas, comment dire, il a pas voulu manger comme nous, genre tu sais, des plats classiques et tout machin, il a voulu prendre une autre côte. Non, mais bah, franchement ça a l'air bien, puis bon, des petits légumes, tout ça, petite sauce qui va bien, tranquille. Donc vraiment, on vous recommande... Ouais, la sauce est très bonne, ouais. Tu penses qu'il y a quoi dedans, un peu, dans la sauce? Aucune idée, mais elle est bonne. Donc ça va, ça se passe bien pour le moment. Wow. Tu vois, c'est qu'ils mettent deux sortes de riz, voilà, le riz blanc, et le riz un peu cuit, ça a l'air d'être du riz un peu style risotto et tout. Franchement, pas mal. Vraiment pas mal. Bon. Les crudités classiques, voilà, et la viande magnifique. D'abord les amateurs. Et maintenant les professionnels. Hashtag after bonne boîte. Et la cerise sur le repas, c'est qu'ils offrent en plus le thé turc. Eh, hey, dis donc, tu mets pas de sucre dans ton thé? Les gens vont dire ouais,
mais tu fais des épreuves. Ah, mais j'aime pas le poser. Hein? Ouais, je suis en exception max. Ah là. Je sais que généralement, je suis sûr qu'il y a ça. Bon les amis, voilà, c'est la fin de ce plantureux repas chez Anatolia. Et donc pour ma part, j'ai kiffé et je recommande à fond. Dieu, vraiment, on vous le conseille. Anatolia à Cournon. Je sais pas ce qu'il veut, mais j'ai dû lui faire un truc dans une autre vie. En tout cas, voilà. Kamel, revenez, vraiment, venez tester ce restaurant et vous nous en donnerez des nouvelles. On se retrouve prochainement pour un prochain vlog de gros. Bisous à tous, même à toi là-bas.